トランペット演奏において誰もが一度は悩んだことがあるアンブッシュア。あなたは間違ったアンブッシュアでトランペットを始めてしまってはいないでしょうか。Donc, c'est le masque, en tout cas, qui va se modifier, qui va bouger de façon à que l'élève se place suivant le grave ou le plus bas d'une façon ou d'une autre. Mais la position, elle, est très peu en cause. Voilà. どうも皆さんこんにちは、ミュージックカンドです。いやー、私ことなのですが、去年の末頃に待望の第一子を授かりまして、仕事と子育てでなかなかバタバタしていて、動画の更新が遅くなってしまいました。インタビューの方は裏でも何本分か撮っていて、あとは編集や翻訳を待つばかりっていう状態なんですけど、それが一番時間かかるんですよね。早く皆さんにお届けしたい、とてもいい内容のインタビューが取れているので、頑張って編集して必ず皆さんにお届けいたしますので、楽しみにお待ちください。さて、今回の動画はだいぶ間が空いてしまいましたが、前回のエリックの動画の続きとなっております。このチャンネルでもアンブッシャーについてはかなり多く扱ってきたのですが、そのアンブッシャーシリーズもこれで一区切りとなっております。それでは本編の方へどうぞ。Même le son aigu, le son bas, on change pas de position, on change pas de... Le son bas, on ouvre un peu... Le son grave ou le son aigu? Non, on ne change, je te dis, il n'y a pas d'absolu. Mais, en principe, on va essayer de garder la même place dans le grave et dans l'aigu. Il faut toujours que ton cadre soit tenu. Alors, quelquefois, suivant les moments, ou si tu as le muscle qui est un peu dur ou un peu mou, ou un peu gonflé par l'humidité ou le temps, ouais. Il se peut que ça joue un petit peu. Alors, si je prends mon embouchure, tu vois, aujourd'hui, je suis... Il se peut que demain, je sois un peu plus vers le bord de ma lèvre, de... un peu plus près, des fois un peu plus loin. Mais, en tout cas, la lèvre du bas est souvent l'ajustement, si tu veux. La lèvre du haut doit jamais bouger. Mais la lèvre du bas peut être... ajustable, entre guillemets, si tu veux. Mais en tout cas, toujours maintenu par ce cadre, et donc pas sur le rouge. D'accord. Ce qui permet de pouvoir passer du registre grave-aigu, maintenu dans le même équilibre, si tu veux. Et c'est ce qui permet d'aller vite, et d'avoir de la souplesse. Si tu dois changer de positionnement physique ici, à chaque fois que tu vas faire un son aigu ou grave, tu n'as pas le temps de changer. Donc jamais il y aura la précision, et ça va être toujours un peu chaotique. La différence en fait qu'il y a entre le son grave et le son aigu, c'est la fréquence de vibration. Lorsque tu vas avoir une vibration aiguë, si tu touches ta lèvre, tu vois que ça vibre très très très, très vite, mais avec un mouvement qui est très restreint. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Mais si tu fais... Tu vas t'apercevoir que la vitesse de vibration est plus lente, mais qu'il y a plus, ta lèvre fait plus de chemin, si tu veux. Il faut trouver cet équilibre qui permet à la lèvre, quelquefois, d'être plus tendue et vibrer rapidement, ou moins tendue et vibrer, voilà. Mais, de toute façon, elle reste toujours dans sa position équilibrée. Si je fais... Ma position est restée la même. Mais on a bien vu que ça bougeait un peu. Mais ce qui bouge, c'est la forme des muscles. La forme des muscles. C'est la forme des muscles qui vont se mettre dans une position qui permet à la lèvre d'avoir plus de place pour vibrer dans le grave et plus tendue dans l'aigu. Donc, c'est le masque, en tout cas, qui va se modifier, qui va bouger de façon à que l'élève se place suivant le grave ou l'aigu, bah, d'une façon ou d'une autre. Mais la position, elle... est très peu en cause. La position, ça change pas. Voilà, ce que j'appelle la position, c'est la place de l'embouchure sur les lèvres. Voilà. Maintenant, les lèvres, et c'est ce qui s'appelle la souplesse, eh bien, permettent, par leur souplesse naturelle, eh bien, de pouvoir aller dans le grave, dans l'aigu, vibrer vite ou lentement, suivant. Et plus tu es souple, plus tu arrives à faire des choses techniques importantes, grâce justement à cette souplesse. D'accord. Au Japon, on dit la position d'embouchure, ça arrive avec du temps, avec de l'expérience, on peut trouver bonne position.
Beaucoup de professeurs, ils ont dit comme ça. Donc, les élèves, ils commencent la position n'importe quoi, comme ça. Ils n'arrivent pas de jouer pendant un an, deux ans, et après, ils abandonnent. Oui, souvent, c'est le cas, parce que la problématique, et je comprends les professeurs, qu'ils soient japonais ou pas japonais, d'ailleurs, c'est qu'on hésite toujours à bouger ses positions, parce qu'on sait très bien que c'est délicat, on sait très bien que c'est pas très facile, etc. Néanmoins, je pense que quelqu'un qui a une position qui est vraiment, qui est borderline encore, avec l'exercice, peut-être qu'on arrive à, en prenant une embouchure plus petite, à l'obliger à rouler un peu plus ses lèvres. Mais s'il est vraiment sur le rouge, même avec les exercices et l'expérience, il n'arrivera pas à remettre la position. Donc moi, je conseille en tout cas à tous les jeunes trompettistes qui commencent, s'ils ont une mauvaise position ou si vraiment, tu vois, c'est vraiment sur rouge, de modifier tout de suite. Le plus tôt, c'est le mieux. Ouais. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce que le danger, quelquefois, il est comme ça. C'est-à-dire que tu vas jouer, tu vas commencer, faire des petits morceaux, ça. Quelquefois, ça peut très bien se passer, même sur le rouge. Parce que c'est facile, parce qu'en talus, c'est mou. Donc, plus juste sortir le son, c'est plus facile. C'est ça. Et donc, pendant 1, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, dire, ah, oh, mais ça marche bien comme ça, etc., etc. Oui, mais c'est une illusion. Ouais. Parce que dès que tu vas commencer à faire des choses où ça demande plus de tension musculaire, le rouge, il ne pourra pas maintenir le cadre fermé. Et donc, il va s'ouvrir. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est que les gens, à l'adolescence, un peu plus tard, ils commencent à faire des choses plus difficiles, etc. Et là, eh bien, ils n'ont plus de résistance ou plus d'aigus. Mais c'est trompeur, parce que pendant quelques minutes, il se peut que le muscle il arrive quand même à tenir, si tu veux. Et puis après, il ne peut plus, parce qu'il n'est pas fermé. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Et c'est ce qui se passe, enfin, dans les, on va dire, 95 ou 98% des cas que j'ai connus avec ce type de pathologie, si tu veux, d'embouchure. Donc, franchement, mon conseil, c'est vraiment, si vous êtes nettement sur la muqueuse, c'est de le corriger le plus tôt possible. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。なんでここまでアンブッシャーについて取り扱うかというと、トランペットの演奏面でうまくいかないこと、例えば高い音が出ない、すぐにバテてしまう、あとはクリアな発音で演奏できないとか、そういったことの根底にあるのがこのマウスピースの当て方だと個人的に思っています。もちろん、体の使い方のたくさんの要素が複雑に絡み合って音としてトランペットから出てくるのですが、その大元になっていて、これが悪いとその先の明るい未来は絶対にないと言えるような大切な議題だと思いますし、実際日本でマスタークラスをエリックと行っていると、基礎で悩んでいる大半の人がこのマウスピースのポジショニングが悪いんですよね。こうやって皆さんに動画として無料で共有することで、そうやって悩んでいる人の一つの糸口というか選択肢になれたらといつも思っております。それでは、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。